Floyd, qui mène 5 jeux à 1. Première manche. Et sur cet échange, on voit bien la pression que met Chris Evert sur son adversaire. Il est obligé de jouer sur les lignes à droite et à gauche et ça lui vaut de faire des erreurs.3 balles de 7 pour Chris Evert. Ah, quand Chris Evert joue comme cela, c'est difficile de lui résister. C'est la perfection. Premier set. Premier set. Chris Evert. Madame Everfloy, 6 jeux à 1. 6-1, pas de problème pour la meilleure joueuse au monde. Et il faut noter, Pierre Dormont, que finalement Chris Evert a gagné très facilement presque tous ses matchs, sauf un. Et c'est une jeune Argentine, Maria, qui a pris un set à Chris Evert. C'est le seul qu'elle ait perdu depuis le début du tournoi. Oui, une jeune joueuse argentine qui, comme Vilas d'ailleurs, liftait beaucoup. Je crois que Chris Evert n'avait pas pris cette joueuse très au sérieux. Elle avait perdu le premier set et s'était ensuite bien reprise. Alors que là, elle se méfie de son adversaire, elle joue un match en serrant le jeu au maximum. Elle joue avec beaucoup de réussite, alors que je crois que nous revoyons la balle de 7. Turnbull au service, Chris Evert qui retourne une balle très rapide sur le revers de son adversaire. Vous voyez comme elle se déplace bien et comme elle arrive bien que très loin à mettre en difficulté son adversaire. Je crois qu'aujourd'hui, Chris Evert est très à l'aise sur cette tête battue. Il est très très mobile. Son adversaire a essayé bien des choses. Jusqu'à présent, elle n'a pas su comment s'y prendre pour inquiéter son adversaire. Mais elle va continuer à tenter sa chance et elle la tentera jusqu'au bout. Premier set pour Chris Evert, 6-1, alors que tout de même, Jan Fromholtz a l'air décidé au début de cette deuxième manche. C'est Chris Evert qui est au service. S'il vous plaît, le jeu reprend. Quarante-zéro. Madame Everfloy, un jeu, seconde manche. Vite fait, bien fait, Chris Evert qui mène par 7 jeux à 1 sur l'ensemble de la partie. Ça va vraiment trop vite pour Jan Fromholtz. Et oui, Jan Fromholtz qui a fait beaucoup d'erreurs sur ce jeu, mais des erreurs que je qualifierais de normales car elle cherche à surprendre son adversaire. Elle est obligée de jouer
au-dessus de ses possibilités et ce faisant, elle fait des erreurs. Nous allons revoir, je pense, le dernier échange. Et même au ralenti, vous apercevrez que la balle de Chris Evert va vraiment très très vite. C'est une pression constante qu'elle exerce sur son adversaire. Elle l'oblige à commettre des fautes. C'est ainsi que là, Diane Fromholz a envoyé la balle un peu trop loin, au-delà de la ligne de fond. À droite, c'était Lloyd, à gauche, Evert. Evert qui joue avec une facilité et une réussite étonnante. Deux balles de 2-0 pour l'américaine. C'est un échange amusant en tout cas. Et Chris Evert, qui n'y croyait plus du tout, a remporté ce jeu et même donc par 2-0. Et oui, Chris Evert, qui a une réussite totale, insolente presque. Evert qui a commis depuis le début de l'année seulement une poignée d'erreurs. Je crois qu'elle ne pourrait pas se compter sur les doigts d'une seule main. On voit ici qu'elle mène une cadence sévère à son adversaire. Mais nous allons revoir cette balle grâce aux caméras de Jean-Claude Échinger. Balle amusante car Evert était battu là. Plutôt qu'il s'est dit pourquoi pas. Pourquoi ne marquerai-je pas ce point? Vous allez voir. Belle amortie elle là, est allée de Fromholz. Venir elle chercher cette amortie de très loin et c'est le filet qui a complètement chargé la trajectoire de la balle. Et Chris Evert était parti. Et elle sourit en jouant ce point. Elle est elle-même surprise de voir la balle sous son nez. Elle était partie carrément dans le couloir, disant j'ai perdu le point, puis disant que je dis pourquoi je ne la rattraperai pas après tout. Et voilà, on reprend maintenant donc en direct, alors que bah, c'est Evert qui sert et qui mène 2-0. Quinze zéro.
Piazza. Et il faut ça pour gagner un point contre Vert, une balle très rapide et près de la ligne. Et encore. Là, c'est rare, mais c'est Chris Evert qui n'a pas soutenu l'échange. 15-30. Et Turnbull, pardon, Fromholz, j'en suis encore au match précédent. Fromholz, donc, qui par un très bon revers arrive à déborder Chris Evert. Sur la ligne. 15-40. Beau contre-pied réussi par Chris Evert, 30-40. 30-40. Et c'est la première fois que Chris Evert perd son service depuis le début de la rencontre. Jeff Fromholz, Madame Evert Lloyd, 2-1, seconde manche. Et j'espère que Fromholz n'a pas la même impression que nous, c'est-à-dire que quand elle gagne un jeu, ça tient un petit peu du miracle. Observez la qualité du jeu de jambes de Chris Evert qui est toujours très bien placé. Excellente tacticienne là, Diane Fromholz. 4 balles sur le revers de Lloyd, ensuite une balle sur le coup droit, et c'est la faute de Chris Evert Lloyd. Fromholz au service qui n'est plus mené que par un jeu à deux. Bien joué. 15-0. Fromholz qui accélère dans l'échange. Elle semble déterminée à jouer plus vite et à prendre plus de risques. Première balle, la balle de Lloyd est sur la ligne et celle de Fromholz de peu à côté.
à Satya quelques centimètres. Let, une balle. Enfin, le match attendu, Dan Fromolf se réveille. 30-15. Et ce n'est plus la promenade de santé pour Chris Evert comme au début de la rencontre. Un peu plus de réussite de la part de Fromolf maintenant. C'est Evert qui commet des fautes sur les accélérations de Fromholtz. Jeu. Adèle Fromholtz qui égalise à 2 jeux partout. Seconde manche. Evert ayant gagné la première par 6-1. Doublé. 0-15. Et oui, la partie change un petit peu de physionomie là sous l'impulsion de Fromholtz, mais ça reste très difficile car elle doit à la fois mener un rythme très rapide et très précis et ne pas commettre d'erreur. Gaza. Quarante-quinze. Et là, le tennis devient bien meilleur car les deux joueuses sont en train de beaucoup mieux jouer maintenant. Chris Evert a resserré le jeu.
passage, mademoiselle Frommel. Égalité. Un point important gâché par Frommels, là, on ne sait pas très bien ce qu'elle a cherché à faire. Avantage, mademoiselle Frommel. Qui mène 3 jeux de seconde manche. Et c'est la deuxième fois que Chris Evert perd son service au cours de ce deuxième set, alors que dans le premier set, elle n'avait pas perdu une seule fois. Elle avait gagné facilement 6-1. Maintenant, c'est donc l'Australienne qui mène par 3 jeux à 2 et qui va servir, alors que nous allons revoir un des derniers échanges. Et une partie dont la physionomie est en train de changer, car Frommels enfin joue très bien. Chris Evert joue également très bien, mais même jouant bien, n'arrive plus à dominer. Je crois que la partie devient maintenant très intéressante et les jeux que nous allons voir vont être déterminants. Et oui, car au début, nous étions un peu surpris tout de même de voir Chris Evert se promener dans cette partie face à Diane Frommels, alors que l'Australienne l'avait battue cet hiver, à la fin de l'hiver, au Madison Square Garden de New York par 6-2, 6-3, et que lors d'un match en Espagne, eh bien, l'Australienne s'était inclinée que par 8-6 au troisième set. Maintenant, elle est bien dans la partie, elle s'est bien reprise, elle mène par 3 jeux à 2 et elle sert. Et nous assistons maintenant au match d'une grande qualité, ce match que nous attendions et que nous voyons maintenant. 3-2 donc pour Frommels au second set. Le silence, s'il vous plaît. Deux doubles fautes de suite, c'est certainement pas le moment. Alors que vous avez pu le remarquer, Chris Evert n'a pratiquement pas, depuis le début, raté une première balle de service. Et elle n'a pas fait une seule double faute. Et 0-40. Là encore, une erreur grossière de Frommels qui aura massacré ce jeu, tout au moins jusqu'à présent. De 40.
Madame Evertloy, 3 jeux partout. Et oui, Fromolskura très très mal exploité le petit avantage à la marque qu'elle avait. C'est bien dommage. Ah, c'est une dernière fois où Chris Evert a raté sa première balle. Et bien entendu, il en demande une autre au ramasseur de balles, car les jupettes n'ont pas de poche, et vous remarquerez que les deux joueuses ne prennent qu'une balle pour servir. Surtout, bien sûr, Chris Evert, qui fait son revers à deux mains, ne peut pas la garder donc dans la main. 30-0. Alors que les garçons, bien sûr, ceux qui servent des deux mains comme Connors, mettent l'autre balle dans la poche. Il me semble que le vent gêne Chris Evert pour servir actuellement. Alors que Diane Fromholz est au service et que je vous rappelle, si vous prenez l'écoute seulement maintenant, que Wendy Turnbull, une Australienne, est déjà qualifiée pour la finale après avoir battu Regina Maršíková par 6-4, 6-3. Fromholz qui menait 3-4. Fromholz qui se laisse de nouveau enfermer dans le rythme de jeu du début de la partie et se fait dominer nettement de nouveau. 15 ans. Une balle facile là pour Evert qu'elle ne manquait pas en début de partie. 45. Thank you.
40 à. Avantage, Madame Everfloy. Lettre, 2 balles.